My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Zudaira, baisse la musique en tout temps du dehors. Tu vas nous attirer. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop. Chut, mais tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mola Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Qu'est-ce que tu as ? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors ? Et alors ? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelet devant moi. Tu lui as parlé ? Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée ? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Et te tueront, Zunaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps ? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?